Salut, salut à vous mes chers combattants. J'espère que ça va chez vous, chez moi ça va. Je vous souhaite un très bon week-end. J'attends que vous soyez là. Je viens de tomber sur une vidéo d'un communicant du RPG Arc-en-Ciel, un communicant très connu d'ailleurs, notamment Damaro. C'est simplement pas croyable, quoi. Je vais vous faire écouter tout à l'heure. On va analyser ensemble. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Je tombe de nu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais moi, vous savez, on est des camps différents. Le RPG, ils étaient de la mouvance, nous, on était de l'opposition. Bon, même si à l'heure là, on est dans la période de transition, il n'y a pas d'opposition, nous sommes tous à égalité. Mais en se référant au passé, moi, j'étais là, et puis on était là, nous tous, on se battait. Nous, on a lutté contre le troisième mandat du professeur Alpha Condé. On a dit qu'on ne veut pas du troisième mandat du professeur Alpha Condé. Vous me recevez, le son est bon? Jana Barry, comment ça va? Est-ce que le son est bon? On a dit qu'on ne voulait pas du troisième mandat du professeur Alpha Condé. Ce que je viens de voir là, partagez-moi la vidéo, laissez les cœurs. Je vais mettre tout à l'heure la vidéo, vous allez écouter. Nous, on s'est battu contre le troisième mandat. Le RPG et ses communicants se sont battus pour qu'il y ait troisième mandat. Merci bien, Chimène Lagarde. Merci d'être là. Partagez le live, s'il vous plaît. Emilions, comment ça va, mon cher? Merci d'être là. Laissez les cœurs. Voilà. Ibrahim Ba, partagez. Que chacun partage dans 10 groupes. Dans 20 groupes, j'allais dire. Oui, certains communicants. Certains communicants, je suis d'accord. Mais je tombe de nu. Je ne comprends pas. On peut être comme ça? Je vais mettre la vidéo tout à l'heure, vous allez voir. Samouraï depuis Abidjan, merci bien mon cher. Je vais mettre la vidéo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Damaro, mon ami, je ne te comprends pas. En tout cas, moi, je te respecte dans le sens de ton combat. Et tu étais, ou tu es du RPG, communicant, tu t'es battu mordicus pour le troisième mandat. Tu t'es battu pour qu'il y ait le troisième mandat et tout ça. Moi, dans tout ça, je me disais toujours que c'était la lutte politique pour que ton parti politique, pour que le parti politique puisse continuer à exercer le pouvoir. Mais derrière ça, l'idée que je vois, mais c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et une telle confusion, on peut l'amener. On peut mener une telle confusion. Regardez, je vais mettre la vidéo, suivez, hein. UFDG, vous n'avez aucune chance, vous n'avez pas de légitimité. Voilà. Wallahi, c'est eux, la communauté internationale va reconnaître, pas vous. Suivez très bien. Ça, on vous le dit maintenant, c'est un conseil qu'on vous dit cela. Parce que c'est le plan aujourd'hui autour de Doumbouya pour tuer le RPG, pour récupérer les militants du RPG. Ils vont former un parti. Mais on vous dit, Wallahi, vous partez contre l'UFDG. Mais là, vous n'allez pas gagner. Le pire, vous traitez du professeur Alpha Condé, vous traitez le parti du RPG et tout, mais Wallahi, vous allez perdre face à l'UFDG. Wallahi, puis là, vous n'allez pas gagner. Ça, je vous l'ai dit, mettez cela en tête. Voici ce qu'ils sont en train de préparer. Nous, on va vous dire. Moi, je vais dire, même le troisième mandat, on n'était pas d'accord. Allez-y, Voilà. écoutez mes vidéos. C'est bon là-bas. Il y a longtemps, j'ai vu. Merci Damaro. Vous avez écouté ça? Vous avez écouté ça? Je tombe de nu. Damaro, mon cher frère, je ne te comprends pas. Toi qui es venu faire campagne, tu as quitté les États-Unis pour la Guinée. Tu es venu faire campagne pour le troisième mandat. Tu dis aujourd'hui que tu n'étais pas pour le troisième mandat, mais quand même. Non, je ne comprends pas. Attendez, je ne comprends pas. On a quelle jeunesse?
Et puis on va revenir sur l'autre aspect. Là où il dit donc, vous savez, vous du RPG, vous savez que si ce n'est pas les malices du RPG que l'UFDG gagne, non, je ne comprends pas. Je répète encore une fois, je ne suis pas de l'UFDG. Ici, nous sommes sur la tribune de l'éveil des consciences. Laissez-moi remettre. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est cette... Non, je ne comprends pas. Suivez. C'est un conseil, comme vous dites, cela. Voilà. Parce que c'est le plan aujourd'hui autour de Doumbouya pour tuer le RPG, pour récupérer les militants du RPG. Ils vont former un parti. Mais on vous dit, Wallah, vous partez contre l'UFDG. Mais là, vous n'allez pas gagner. Le pire, vous traitez du procès Alpha Condé, vous traitez le parti du RPG du tout, mais Wallah, vous allez perdre face à l'UFDG. Wallah, puis là, vous n'allez pas gagner. Ça, je vous l'ai dit, mettez cela en tête. Voici ce qu'ils sont en train de préparer. Nous, on va vous dire. Moi, je vais dire, même le troisième mandat, on n'était pas d'accord. Allez-y écouter mes vidéos. Il y a longtemps, j'avais dit de mettre Kassouri. C'est pourquoi... Merci bien. Vous voyez ça, chers combattants? Vous voyez ça? Vous voyez? Mon ami, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez faire les yeux doux devant le CNRD. On sait que vous avez envie de rectifier les erreurs que vous avez eu à commettre lorsque le CNRD a pris le pouvoir. Parce que là, vous êtes allé très loin. Toi-même, Damaro, tu as insulté. Voilà, tu as mal parlé. D'accord? Tu as très mal parlé au CNRD. On sait que l'erreur est humaine. On vous comprend. Moi-même, je n'avais pas manqué de vous le dire. Tous ceux qui sont du RPG Arc-en-Ciel, je vous ai dit que vous avez fait souffrir cette nation. Vous avez fait souffrir cette nation. Vous avez besoin du repentir citoyen. Vous devez vous repentir de façon citoyenne. Reconnaître vos erreurs du passé. Et venez pour qu'on puisse construire la nation ensemble. Comme le CNRD a eu à le dire, on n'a pas besoin de procéder à une exclusion. On n'a pas besoin d'exclure. Mais tous ceux qui ont fait souffrir les citoyens, ils doivent purger leurs sanctions citoyennes. C'est ce que j'avais eu à vous dire. Aujourd'hui, on comprend. On comprend. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre dans un retournement de veste comme ça? C'est vrai qu'on a la mémoire un peu courte, mais on n'oublie pas facilement comme ça. Un communicant qui s'est battu terre et ciel, qui a dit mordicus que lui, il veut du troisième mandat, le professeur Alpha Condé ou rien. Quand on prend les communicants du RPG, les blogueurs, mais le blogueur, l'un des blogueurs les plus influents, c'est Damaro. C'est Damaro qui a battu campagne pour le RPG Arc-en-Ciel pour le troisième mandat. Je ne comprends pas. Lorsque tu dis, lorsque un communicant dit qu'il n'a pas été pour le troisième mandat, pendant que tu es venu battre campagne pour le troisième mandat, vous êtes en train de vous exposer. Vous êtes en train de vous exposer. Et moi, quelle est la leçon que je voudrais qu'on tire? Pourquoi je fais écouter ça ici? C'est pour vous montrer quel type de jeunes le RPG a formé, le régime du professeur Alpha Condé a formé. Quelle mentalité ils ont donné aux Guinéens. Damaro est juste un exemple. Ce que vous venez d'écouter, c'est juste un exemple. Il y a des milliers comme ça. Comment? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas poser un acte. Tu soutiens le troisième mandat. Tu viens sur le terrain. Tu viens battre campagne. On a les images. Les images sont là. Parce que toi-même, tu as toujours publié ces images. Tu viens, tu bats campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG prend le pouvoir. Troisième mandat. Et après le troisième mandat, toi-même, tu es sorti très souvent pour lui, c'est fini. Ce qu'on cherchait, on a eu. C'est fini, le professeur Alpha Condé est élu, c'est fini. Et toi-même, tu as dit, ta mission est terminée. Tu es reparti aux États-Unis. Je m'adresse à toi, mon cher Damaro. Tu es reparti aux États-Unis. À partir des États-Unis,
tu as dit bon, c'est bon, toi, ta mission est accomplie. L'essentiel, c'était de faire en sorte que le professeur Alpha Condé accède au pouvoir. Parce que tu ne voulais pas que l'UFDGF soit au pouvoir. Aujourd'hui, pourquoi tu viens nous dire que tu n'as jamais, tu n'as jamais soutenu le troisième mandat? Mais c'est bizarre, je ne comprends pas. Comment on fonctionne là? On fonctionne comment? Ou bien c'est moi qui ne suis pas en train de... C'est moi qui ne suis pas normal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment un jeune qui se bat, qui se bat mordicus pour une conviction, pour une idéologie. Et l'idéologie, c'était que le troisième mandat ait lieu. Il se déplace à des milliers de kilomètres des États-Unis pour l'Afrique, pour la Guinée. Tu viens, tu fais le combat. Le professeur Alpha Condé passe. Et après, tu dis, tu n'étais pas pour le troisième mandat. Ah, Gina, ça fait peur. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Vous savez, dans mes vidéoconférences, je n'aime pas souvent mettre les vidéos concernant d'autres personnes. Mais ça, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a touché. Oui, ça m'a touché. Parce que quand on est jeune, la plupart d'entre nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui sommes des blogueurs, nous sommes des modèles pour certaines personnes quelque part. Et dans cette logique, vraiment, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, quoi. Je comprends pas, je tombe des nues. Non. Comment cela peut être possible? Dites-moi, comment cela peut être possible? Mais quelqu'un qui s'est levé, donc on peut vite changer, retourner de veste comme ça. Mais si tu n'étais pas pour le troisième mandat, Damaro, pourquoi tu es venu battre campagne? Ou bien tu vas nous dire que tu n'as jamais battu campagne? Peut-être c'est par erreur que tu as prononcé le mot. Mais il ne faut même pas dire ça. Ça ne te fait pas honneur. Tu n'as pas battu campagne pour le troisième mandat. Tu t'es déplacé, tu es venu. Les images font foi. C'est toi-même qui relaye en direct. C'est pourquoi moi je me pose la question, de quelle jeunesse nous avons besoin? Parce que la jeunesse que nous avons aujourd'hui, les citoyens que nous avons aujourd'hui, ont été transformés. Quand je vous l'ai dit, vous n'arrivez pas à croire. Le régime du professeur Alpha Condé a transformé la mentalité des gens. On a fait comprendre aux gens, conviction, là, laissez ça. Sinon, je ne peux pas voir, je ne peux pas comprendre. On peut reprocher tout à Ousmane Niélé. Ousmane Niélé insulte, il fait tout et tout. Mais le côté qu'on peut apprécier chez lui, c'est qu'il est constant. Tout ce qu'il fait, il l'assume. Même s'il a eu à commettre des erreurs, il l'assume. Il l'assume. Il assume. Quand c'est devenu chaud, avant son arrestation, Ousmane Niélé a assumé le fait d'avoir soutenu le troisième mandat. C'est ça. Lorsque vous décidez de choisir un chemin, même si le chemin est mauvais, par après on se rend compte que le chemin est mauvais, il faut assumer. Ah oui, il faut assumer. Il faut assumer. Et moi, c'est ce que je demande aux jeunes. Tu n'es pas obligé d'être du même bord que moi. Du même bord politique que moi. Mais ce que tu décides là, il faut décider avec conviction, il faut assumer. On ne peut pas comprendre que des communicants du RPG Arc-en-Ciel qui ont battu campagne pour le troisième mandat viennent aujourd'hui nous dire qu'ils n'ont pas battu campagne pour le troisième mandat et qu'ils n'étaient pas pour le troisième mandat. C'est l'argument là que beaucoup sont en train d'utiliser actuellement. Partagez-moi la vidéo, laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. On a combien de partages? Partagez-moi la vidéo dans les groupes. Partagez au maximum. Nous sommes sur la tribune de l'éveil des consciences. On ne tolère rien. On est à 50 partages. Continuez à partager. Voilà. Continuez, il faut partager. Partagez. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je dis et je le répète, nous avons besoin d'une jeunesse qui s'assume. Nous avons besoin d'une jeunesse qui s'assume. Si vous avez remarqué, je le dis très souvent dans mes vidéos,
Les anciens, les doyens disent qu'ils ne peuvent pas confier le pouvoir aux jeunes Guinéens. Parce qu'ils estiment que les jeunes Guinéens n'ont plus de repères. Que les jeunes sont dans la paresse, c'est-à-dire l'argent facile et tout. Ils sont sans conviction, que les jeunes de Guinée sont sans conviction. Voici l'argument que beaucoup d'aînés mettent sur la table pour repousser les jeunes. Heureusement, avec l'arrivée de Doumbouya, on voit maintenant qu'on est en train de faire recours à des visages très jeunes, aux jeunes, hein, même s'ils ne sont pas carrément dans la fourchette de la jeunesse, mais ils sont encore plus jeunes. Ça c'est heureusement. Mais est-ce qu'on peut construire une nation comme ça, avec des gens qui se disent et qui se dédisent? Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu as soutenu le troisième mandat. Ça nous a fait mal. Mais c'est ton camp. Il faut assumer. Tu as soutenu le troisième mandat. Tu as été même un des communicants. C'est-à-dire le communicant le plus suivi du RPG Arc-en-Ciel dans le cadre de la campagne pour le troisième mandat. Toi, Ignélu. Empereur Sérian Kibari qui dit: Monsieur Théa, rappelez-vous les dits de Monsieur Kouressi Kondé sur Film FM, soi-disant qui n'a pas soutenu le troisième mandat. Oui, et c'est ce que nous allons dénoncer. Aujourd'hui, pas seulement les communicants, pas seulement les communicants du RPG, mais beaucoup sont en train de chercher à retourner leurs vestes. Les gars, vous voulez retourner vos vestes là? Retournez vos vestes. Retournez vos vestes, d'accord, en tenant compte de votre dignité. Vous voulez procéder au retournement de votre veste? Tenez compte de votre dignité. Pensez au moins qu'il y a des jeunes qui vous suivent et qui vous prennent comme des modèles. Prenez, vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. Il y a des jeunes du RPG Arc-en-Ciel, des jeunes encore qui sont sur les bancs, qui sont militants, sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qui vous prennent pour des modèles. Vous devez, dans vos pratiques, les montrer la constance. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que vous n'étiez pas pour le troisième mandat. Et c'est ce que beaucoup d'RPGistes sont en train de dire. C'est ce que beaucoup d'RPGistes sont en train de dire, qu'ils n'ont jamais été pour le troisième mandat, parce que simplement ils veulent avoir des postes, parce que simplement ils veulent faire les yeux doux. Je vous le dis, ce n'est pas bien. En tout cas, moi j'étais toujours apprécié, Damaro, dans le cadre de ta combativité. Parce que tu es toujours resté serein vis-à-vis de ce que tu fais. Oui, j'ai toujours apprécié, même si nous n'avons jamais été du même camp. Même si parfois tu viens laisser des commentaires bizarres sous mes vidéos, après tu supprimes, je m'en rends compte. Mais j'étais toujours apprécié dans ta manière de faire. Contrairement à certains autres blogueurs, parce que j'ai toujours vu quand même une sorte de sincérité par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu fais. Mais je suis surpris. Je suis surpris. Je suis surpris. Non, mais je suis surpris. Comment tu peux prétendre ne pas avoir eu à défendre, à faire la promotion du troisième mandat, pendant que toi-même là, tu as fait la promotion véritable du troisième mandat. C'est pas aujourd'hui tu vas venir nous dire que tu n'as jamais fait la promotion, tu n'étais pas d'accord avec le troisième mandat parce que le pouvoir a changé. Bref, laissons cet aspect là. Partagez la vidéo. On va venir sur un deuxième aspect. Les gens du RPG Arc-en-Ciel vont se dévoiler au fur et à mesure. Ils ont commencé à se déchirer entre eux, non? Ils vont faire les révélations. Comment ils organisaient tout pour faire souffrir le peuple de Guinée. Eux-mêmes vont le dire de leur propre bouche. Partagez-moi cette vidéo. Ils vont le dire. On est à 100 partages. Que chacun partage dans 20 groupes, s'il vous plaît. Voici la vidéo qui passe. Voilà. Vous cliquez ici sur partager. Vous allez voir à droite, c'est écrit partager dans les groupes. Vous cliquez. Voilà. Si vous êtes en Guinée, vous attendez.
que la connexion fasse apparaître les groupes. Vous voyez les groupes qui sont là? C'est simple, vous ne faites que cliquer sur partager et puis ça part. Voilà, c'est ça. Partagez au maximum. On ne va pas se taire là-dessus. On ne va pas se taire là-dessus. On ne va pas faire un débat de personne. Mais on a besoin d'éveiller les consciences parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais il faut que ça change. Je vous ai toujours dit, on a hérité quelque chose de très mauvais de la part du professeur Alpha Condé. Le fait de faire comprendre aux jeunes que non, vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui et demain vous allez vous dédire. C'est ça la politique. Le fait de mettre dans la tête des jeunes que vous n'avez pas besoin de tenir compte de la conviction. Faites ce qui vous semble bien. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Ça va nous faire souffrir. Et beaucoup de jeunes sont dans cette logique. Beaucoup de jeunes. Le RPG Arc-en-Ciel, ils vont faire les révélations. Vous avez entendu Damaro dire, il est en train de prévenir Colonel Mamadi Doumbouya. Parce que eux, tout leur combat, c'est comment faire en sorte que l'UFDG ne vienne jamais au pouvoir. Pourquoi? C'est quelle haine ça? C'est quoi? L'UFDG n'est pas... Ils ne sont pas des Guinéens? Moi, je suis fâché contre ces discours. Et quand je le dis, les gens de l'UFDG ne pensaient pas que je suis en train peut-être de draguer l'UFDG ou bien je cherche à venir à l'UFDG ou bien je suis de l'UFDG ou bien je suis en train de vous aider, de vous défendre. Enlevez ça de votre tête. Je ne cherche pas à défendre l'UFDG. Je ne cherche pas à faire plaisir à l'UFDG. Je ne cherche à faire plaisir à personne. Si vous pensez que quand je parle de cela, c'est pour vous faire plaisir ou bien c'est pour etc. Vous vous trompez. Mon combat, c'est de faire en sorte que la jeunesse guinéenne, que les Guinéens, qu'on se regarde en face. En tant que de bons citoyens, qu'on se regarde en face, toutes les pratiques là, qui sont des pratiques qui sont de nature à diviser le peuple, à diviser les citoyens, qui sont de nature à mettre une sorte de mauvais sentiment dans le cœur des uns et des autres, ces pratiques doivent cesser. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis régulier ici sur la tribune de l'éveil des consciences. Donc, tous ceux qui sont de l'UFDG, je respecte votre choix politique. Je ne suis pas de l'UFDG. Ne pensez pas que je suis de l'UFDG ou bien je dis ces choses pour vous faire plaisir. Si vous pensez ainsi, vous vous trompez. Voilà, c'était une parenthèse avant de continuer. Nous sommes dans une république où tous ceux qui ont l'amour de la république, tous ceux qui ont l'amour de la nation, doivent dire que le meilleur gagne. C'est ça la démocratie. Celui qui a plus de voix aux élections, que la personne soit élue président de la république. C'est ça, mon cher Damaro. C'est ce que je te demande. Mais si votre combat, c'est de faire en sorte qu'une catégorie de personnes, une communauté bien déterminée, de les exclure de la citoyenneté et par ricochet de ne pas les reconnaître le droit, leur droit citoyen, qui est d'ailleurs inaliénable, d'accéder à la magistrature, au contraire, vous êtes en train de les donner la force. Vous êtes en train de donner la force à l'UFDG. Déjà, politiquement, vous faites la campagne de l'UFDG. Parce que régulièrement, chaque fois que vous sortez, vous vous dites communicant d'un parti politique. Chaque fois que vous sortez, vous faites une sortie sur les réseaux sociaux. Vous ne communiquez jamais sur votre parti politique. Vous ne communiquez jamais sur votre parti politique. Mais vous communiquez sur le parti politique de l'autre. C'est ce qu'on appelle en politique les communicants indirects. Les communicants indirects. Vous êtes chargé indirectement de communiquer officiellement au nom de l'UFDG. Vous faites la promotion de l'UFDG.
Parce qu'il y a certains Guinéens qui n'ont jamais peut-être entendu parler de l'UFDG. Mais chaque fois, vous ne faites que parler d'eux. Et en mal. Chaque fois, c'est pour dire, comment on appelle, les Français de l'abbé, les Français de l'abbé. À travers vous, beaucoup sont en train de découvrir l'UFDG. Et ça pousse les uns et les autres à s'intéresser à la vie politique de l'UFDG. Si vous ne comprenez pas. Donc, déjà, ce que vous faites là, c'est un avantage politique pour l'UFDG. Mais pour la nation, des propos de nature à nous diviser. Je le dis toujours, votre acharnement contre une catégorie de personnes, ça ne marche pas et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il prévient Doumbouya. Il dit à Doumbouya, parce que selon lui, il y a une stratégie qui est en place. Ils veulent créer un parti politique à la tête duquel parti politique, l'ancien premier ministre, je crois, de la transition, cabinet Comara, va présider, va être. Donc, le scénario, selon lui, c'est l'organisation des élections. Le parti de cabinet Comara, qui va absorber les membres du RPG, les anciens membres du RPG, va se présenter face à Sélou Dalé. Et que selon lui, quand ils vont se présenter face à Sélou Dalé, Sélou Dalé va gagner. Parce que le nouveau parti n'a pas de légitimité. Et que la communauté internationale va reconnaître Sélou Dalé comme président. Et selon lui, ça sera le pire. Je ne défends pas Sélou Dalé. Je ne me prononce pas si il va être un bon président ou il ne va pas être un bon président. Ça ne m'intéresse pas. Moi, lorsqu'un président est élu, un président de la République de Guinée est élu, ce qu'il fait, je le juge en fonction de ce qu'il fait. Voilà, je ne suis pas un juge en tant que tel, mais sur fondement des règles de la démocratie, je vais dire ce que je pense par rapport à ce qu'il fait. Mais ce qui me fait mal, partagez-moi la vidéo, on est à combien de partages? Ce qui me fait surtout mal, on est à 106 partages, ça ne ressemble pas aux samouraïs, partagez la vidéo. Vous avez fini? Va chercher le truc que tu viens avec. C'est la mère ou Marie? Il y a le deal, voilà. Donc, on revient, cher samouraï. Ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, c'est cette idée que Damaro continue à développer. Cette idée que le professeur Alpha Condé a mis dans la tête des gens. Non, il ne faudrait pas qu'un peuple prenne le pouvoir, il ne faudrait pas que tel ethnie prenne le pouvoir. Cette théorie-là, je n'ai jamais manqué de le dire, cette théorie-là qui est dirigée contre les peuples, cette même théorie est dirigée contre les forestiers, qu'on les appelle mangeurs de singes. D'accord? Cette même théorie est dirigée encore contre les sous-sous. Voici des théories qui ont divisé les Guinéens. Voici des théories qui ont fait que les Guinéens se regardent à dents de chien. Tout ce qui se dit sur Sélou Dalé, il n'est pas Guinéen. Moi, ça me fait mal. Il est Guinéen comme les autres. Il est Guinéen comme les autres. La démocratie voudrait quoi? Que le meilleur gagne. Mais cette stratégie qui vise à faire comprendre aux uns et aux autres que la communauté Peul ou Sélou Dalé, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils ne doivent jamais accéder au pouvoir. S'ils ont des comportements là, mais qu'on les dise. Qu'on les dise. C'est ce qui doit être, pouvoir être le combat de chacun, de tous. Si parmi nous, on a une communauté qui a un comportement qu'on n'apprécie pas, ou qui a une idéologie qu'on n'apprécie pas, on dénonce pour que cette communauté puisse changer. Il faut que les choses soient claires.
Mais des propos qui sont de manière à vouloir exclure une communauté de la gestion de la chose publique, moi je suis contre. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Des propos, des théories qui sont nourries, qui sont développées régulièrement sur les réseaux sociaux et qui sont de nature, même pas seulement sur les réseaux sociaux, qui sont de nature à exclure une communauté, que ce soit la communauté forestière ou que ce soit la communauté Pelou, la communauté Soussou, de l'exercice du pouvoir, de l'exercice des droits citoyens, je suis contre. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que cette idéologie est très dangereuse. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas les conséquences. Aujourd'hui, ils sont en train de développer cette théorie petit à petit. Le professeur Alpha Condé a quitté le pouvoir. Eux, ils continuent à faire développer cette théorie. On ne sait pas à quoi ça peut nous conduire. Enlève cette théorie dans ta tête. Enlève cette théorie dans votre mentalité. C'est de cela qu'il s'agit. On dit non, si les peuls prennent le pouvoir, oui, ils vont créer une hégémonie des peuls. Ils ne vont jamais laisser le pouvoir, etc., etc. Ils sont les seuls Guinéens. Ils sont les seuls Guinéens. Alpha Condé qui est venu au pouvoir et qui s'est cramponné là. Finalement, on l'a enlevé, non? En 2010, qu'est-ce qu'on disait? Non, parmi deux mots, il faut choisir le moindre mal. Celui est un problème, Alpha est un problème, mais quand tu compares les deux, Alpha est mieux par rapport à tel. C'est la théorie là qu'ils ont créée, ça c'était depuis 2010. Partagez-moi cette vidéo. On est sur la tribune de l'éveil des consciences et on va se dire la vérité. C'est vrai que notre page a des restrictions, hein, mais on va se dire la vérité. En 2010, c'est ce qui a été dit. C'est ce qu'ils disaient. Et en 2010, les réseaux sociaux, l'internet, c'était pas trop ça. On n'avait pas trop là où aussi on pouvait dire ce que nous pensons. Mais moi, ça me faisait mal et c'est choquant. J'ai dit et je répète, tous ceux qui sont à leur première fois de me suivre ici, mon nom c'est Théa Robert. Je suis spécialiste en démocratie et bonne gouvernance. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit à l'université de Symphonia. Voilà. Ici, sur les réseaux sociaux, je suis un influenceur. Je suis un blogueur. Ici, je suis le guide de l'éveil des consciences. Je mène un combat pour la République, pour la nation. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, la précision est encore importante. Tous ceux qui sont nouveaux, je ne suis pas de l'UFDG. Je n'appartiens à aucun parti politique pour le moment. Pourquoi? Parce que la plupart des partis politiques ont des démarches que j'apprécie à moitié, pas à 100%. Si j'appréciais toutes les démarches, j'allais adhérer à un de ces partis politiques. Donc, ce qui sort de ma bouche là, rien d'autre que la vérité. Parce que notre système doit changer. Donc, cette théorie là, il faut quitter dans ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un Guinéen est un Guinéen. La théorie, c'est quoi? Je viens de le dire. Pourquoi on dit non quand il va prendre le pouvoir? Non, ça sera seulement que les membres de sa famille et puis ça sera une dictature. Autre personne ne pourra jamais venir au pouvoir. Que ce soit celle ou une autre personne. Le professeur Alpha Condé qui est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple n'est pas dupe. Le peuple de Guinée peut se résigner. On te voit venir, on te voit faire les choses. Arrivé à un certain niveau, on te retire. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. Quand le professeur Alpha Condé a décidé de se pérenniser au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a même fait une année? Est-ce qu'il a même fait une année? Il n'a même pas fait une année. On l'a enlevé, matin bonheur. Et ceux qui l'ont enlevé sont venus de son équipe. D'accord? Que ce soit Cyril Dalin ou qui que ce soit, la Guinée a dépassé ce stade-là. Tu viens au pouvoir, tu veux faire un forcing. Mon frère, on va t'enlever. Ça, c'est un. Et deuxièmement, regardez, observez. Même les nominations que vous faites, tu viens, tu es président de la République. Lorsque tu dois procéder à une nomination, avec le monde numérique à l'heure là, tu dois faire une nomination, tu dois tenir compte d'un certain nombre de critères, de l'aspiration du peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Regardez les nominations que le colonel Doumbouya fait. Quand il fait des nominations, le peuple réagit. Est-ce que ce soit sur la toile, sur Facebook, ou sur les médias, les anciens médias, les médias classiques, les radios et télévisions, le peuple réagit. Donc le monde a dépassé ce niveau où quelqu'un peut venir au pouvoir et prétendre exercer une dynastie, exercer une monarchie.
Le professeur Alpha Condé a voulu le faire. On lui a montré que ouais, deux mandats, c'est bon. Voilà, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Il a quitté. Alpha Condé a quitté. À un moment donné, on nous faisait croire qu'il voulait même que son fils le remplace au pouvoir et tout ça. Mais il a quitté, non. Est-ce que son fils est venu au pouvoir? Non. Donc, quiconque vient au pouvoir, qui tente de s'éterniser au pouvoir, là, il va quitter. Il va quitter, c'est clair. Donc, encore une fois, cette théorie-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter. Et moi, désormais, chaque fois que vous sortez, vous pouvez parler, vous pouvez mener votre lutte politique. Mais dès lors que vous venez sur la théorie divisionniste, je sortirai pour répliquer. Je sortirai pour répliquer. Voilà. Même si, à cause de la restriction de ma page, nous n'avons pas assez de vues, et je profite de l'occasion pour dire à toutes les pages qui retransmettent en direct nos vidéoconférences, on a des pages qui ne sont pas très très suivies, qui prennent le temps souvent de faire passer mes lives en direct, ils enregistrent après, ils font passer, et quand ils font passer, ils ont plus de vues par rapport à nous autres. Je les dis merci, merci, merci. Petit à petit, ça va aller. Les restrictions que j'ai, les restrictions vont s'enlever sur la page. Voilà, et grâce aux samouraïs. Partagez-moi la vidéo. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 118 partages. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on quitte dans cette pratique-là. Il faut qu'on quitte dans cette théorie. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et tant que vous allez continuer à en parler, nous allons continuer toujours à dénoncer. Nous allons servir de contrepoids par rapport à ça. Donc, on ferme la parenthèse. On ferme cette partie. On vient sur la troisième partie de la vidéoconférence. Il y a la démagogie en l'air. Trop de démagogues. Trop de démagogues. Il y a un monsieur... Il semble qu'il s'appelle Léon Bangoura, qui dit qu'il a rêvé. Il a rêvé. Le général Lansana Conté, paix à son âme, qu'il est sorti de la mer, ça c'est vers Kaloum, et qui est venu, je ne sais même pas quoi, donner le pouvoir à colonel Mamadi Doumbouya. Voici les choses que les gens disent, mais que vous ne comprenez pas. Le sens réel, l'objectif de ce rêve expliqué, c'est de mettre le culte de la personne du colonel Mamadi Doumbouya dans la tête du Guinéen. Prenez quelqu'un qui n'a que 17 ans ou 20 ans et qui voit un si responsable, un père de famille qui dit « J'ai vu Lansana Conté remettre le pouvoir à colonel Mamadi Doumbouya. » Ça veut dire que Lansana Conté est content. Oui. Mais Lansana Conté veut aussi que le colonel Mamadi Doumbouya continue à exercer le pouvoir jusqu'au moment où Dieu le voudra. C'est ce que ça veut dire. Et quand un enfant qui a 17 ans, 20 ans, 25 ans, quelqu'un qui n'a pas l'appréhension des phénomènes, voit une telle explication, il va dire c'est Dieu qui a envoyé le colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir pour les Guinéens. Même l'ancien président l'a confirmé dans le rêve de quelqu'un. Laissons cette affaire de Dieu de côté. La politique doit être séparée de la religion. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Voici des pratiques qui sont de nature à mettre dans la tête même du président, du colonel Mamadi Doumbouya, que oui, il doit continuer à s'éterniser au pouvoir. Et que ce pouvoir-là, c'est pour lui. Pourtant, il est président de la République, chef de l'État, président de la transition. Et la transition, c'est pour une période bien déterminée. Il a juré sur la charte de la transition, de mener à bien la transition et après, de confier le pouvoir au peuple. Il a prêté serment. C'est-à-dire de donner le pouvoir à un civil, j'allais dire. Et aujourd'hui, on veut faire changer la mentalité du colonel Mamadi Doumbouya.
en commençant à mettre dans la tête du Guinéen le culte de la personnalité, le culte de sa personnalité. En lui faisant comprendre que non, même les ancêtres veulent que tu continues à exercer le pouvoir. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont trompé le professeur Alpha Condé. C'est comme ça. On le fait croire que non, ça, il est l'homme providentiel, sans lui, personne d'autre ne peut. Les RPGistes dont on parlait tout à l'heure, qui pouvaient croire que on pouvait être au deuxième mois, voire même le troisième mois du coup d'État et que la Guinée continue à fonctionner correctement. Parce qu'ils ont fait comprendre aux gens qu'après le professeur Alpha Condé, il n'y a personne, il n'y a pas un Guinéen qui peut diriger ce pays-là, même en pendant 24 heures. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de reprendre avec le colonel Mamadi Doumbouya. Soyez smart, soyez subtil, ouvrez grandiosement les yeux et comprenez que le pouvoir exercé par le colonel Mamadi Doumbouya, que nous avons acclamé, que nous continuons d'acclamer d'ailleurs, laissez-moi les cœurs, nous continuons d'acclamer ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de transition. Voilà, ça va passer. D'accord? Ce pouvoir-là va passer. Ce n'est pas un mandat. C'est une période de transition. Ça va passer. Accordons le respect au colonel Mamadi Doumbouya. Accompagnons-le dans sa mission. Prions Dieu qu'il puisse réussir sa mission. Déjà, il est en train de réussir petit à petit. Prions Dieu qu'il puisse réussir sa mission et ensuite confier le pouvoir aux civils. Donner le pouvoir aux civils. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, si lui,